Le tout dernier Star Wars de George Lucas est en ville. Il passait l'examen des médias ce soir. Notre Pascal Wilhelmy à nous était là, bien sûr. Bonsoir, Pascal. Bonsoir, Simon. Alors, c'est l'Extase Wars, paraît-il. Tout à fait. Je suis éblouie. Le film vient de se terminer il y a quelques minutes à peine. C'est un feu roulant d'action, un feu roulant d'animation. L'histoire est belle. L'univers de George Lucas est tout à fait magnifique. C'est extraordinaire. Écoutez, pensez à Jurassic Park où on voit les dinosaures courir à quelques reprises dans le film. Eh bien là, du début à la fin, dans La menace du fantôme, ce sont des effets spéciaux. La musique est bonne. Les décors, les costumes, c'est féerique. Et si vous voulez bien, il y a des gens, les tout premiers commentaires. Il livre la marchandise. Il réinvente pas une roue qui roulait déjà très, très bien. Donc, on retrouve des choses, mais c'est extraordinaire. Profusion d'effets spéciaux, mais vraiment là, en quantité industrielle. On nage continuellement dedans. Je me sens tout petit. Je me sens comme un gamin. Encore très impressionné, essoufflant. Une course absolument incroyable. J'ai aimé toutes. Les personnages sont pas assez humains. Il y a trop d'effets à un moment donné. Mais il est vraiment, c'est le plus imposant des quatre films. C'est vraiment le plus flamboyant. C'est vraiment une épopée. C'est jamais vu. Puis personnellement, je le conseille à tout le monde. Moi, je retourne la semaine prochaine, au moins 3-4 fois. Voilà. Alors, il y a déjà plein de monde aussi. Hein. Là, ça va être ouvert au public bientôt. Exactement. Écoutez, il y a des gens qui sont ici, qui font la ligne. Vous êtes ici depuis combien de temps? Ça fait à peu près 15 heures, depuis 7 heures ce matin. Et vous êtes ici pour quoi? Pour voir Star Wars. Vous voulez acheter les billets? Acheter des VIP demain. Donc, les billets sont mis en vente demain. Déjà, les gens attendent. Et vous savez, il y a quelqu'un ici qui tient absolument à vous dire quelque chose, Simon. Simon! Que la force soit avec toi. Que la paix soit avec vous, monsieur. Pascal, les critiques américaines avaient été plus sévères, je pense, hein? Tout à fait, mais je les comprends pas. Vous savez, il faut jamais se fier aux critiques. Mais quand même, ils ont été très durs. Et dans l'ensemble, les gens à qui j'ai parlé, les journalistes, ont tous eu finalement la même impression que moi. C'est un très bon film. Il va connaître beaucoup de succès. Bien, je le pense bien. Après ce que vous en avez dit là, merci beaucoup, Pascal. Bonsoir. Au revoir.